Ce samedi 22 juillet, c'est à l'occasion d'une foire aux questions partagées avec ses abonnés, dans sa story Instagram, qu'Amandine Pélissard a dévoilé la date présumée de son 9e accouchement et a donné des nouvelles de son bébé. C'est en juillet 2020, à l'occasion du lancement du docu-réalité Famille Nombreuse, La Vie en XXL, que les téléspectateurs ont découvert le quotidien de la tribu Pélissard. Mais à l'inverse de leurs camarades, Amandine, Alexandre et leurs 8 enfants n'en étaient pas à leur première expérience télévisuelle. En effet, avant d'être les têtes d'affiche du programme familial de TF1, les deux tourtereaux avaient fait une apparition remarquée sur M6, à l'occasion d'un reportage sur la face cachée du e-commerce. Et le 11 juillet dernier, alors que la chaîne rediffusait l'émission, Amandine s'est replongée dans ses souvenirs. Et oui, c'était pour Capital sur M6. À l'époque, j'étais enceinte de 3 mois d'Octave, a-t-elle confié dans sa story Instagram, en regardant le fameux reportage qu'il a présenté comme une pro de la revente en ligne. Amandine Pélissard se confie sur son 9e accouchement 4 ans après sa première apparition sur le petit écran. Beaucoup de choses ont changé pour Amandine Pélissard. La jeune femme a depuis claqué la porte du programme de TF1 auquel elle doit son importante notoriété. Elle s'est reconvertie dans la création de contenu pour adultes avec son époux, Alexandre. La tribu a récemment déménagé à côté de Montpellier et, cerise sur le gâteau, la famille va bientôt s'agrandir. En effet, la maman de Léo est enceinte de son 9e enfant, qui devrait pointer le bout de son nez le 18 novembre prochain, comme elle l'a annoncé ce samedi 22 juillet, dans sa story Instagram. Mais ce n'est pas la seule confidence que la jeune femme a faite au sujet de sa grossesse. À l'occasion d'une foire aux questions partagées avec ses fans, l'épouse d'Alexandre a annoncé que ce bébé serait le dernier du royaume Pélissard. Amandine Pélissard appréhende son 9e accouchement ce samedi 22 juillet. Les internautes se sont principalement intéressés à la 9e grossesse de la jeune femme. Alors, de confidence en confidence, Amandine a fini par avouer, « J'ai eu peur pour chacun de mes accouchements. » Celui-ci n'y dérogera pas. Avant de donner des nouvelles de la petite princesse logée bien au chaud dans son ventre, ma fille est en siège, donc elle pousse vers la sortie quand elle bouge. J'espère qu'elle va se retourner, car ses frères et sœurs ont toujours été tête en bas. Article écrit avec la collaboration de 6 médias. Love.